Regardez-moi tout ça! Cool! Regarde ça, Caillou! Pourquoi une fenêtre si petite, papa? C'est une fenêtre pour un archer. D'ici, il y a la place de tirer une flèche. Mais de dehors, c'est très difficile de faire entrer une flèche. L'archer est en sécurité. Oh! Caillou le Grand, que faites-vous? J'ai travaillé sur des projets de magie pour le roi. Quel genre de projet? Eh bien... Le roi m'a demandé d'assurer qu'il y a beaucoup à manger pour tous les gens du royaume. Regarde ça! Wow, Caillou! C'était vrai! Ah ah oh non! Vite! Par ici! Il faut que je travaille un peu plus sur ce sort. Oh oh! Nous sommes attaqués! Quelque chose là. Attends, Léo. Que se passe-t-il ici? Caillou? Caillou? Allô? Hein? Désolé, papa. Tu étais parti dans ton monde, là. J'étais un sorcier. Je tourne un sort. Il y avait un géant et les spaghettis magiques commençaient à pourchasser les... C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place.
Non, Caillou, ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah! Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Maman, papa, elle est tombée. Ma dent est tombée. C'est super, Caillou. Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié. Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou! On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Waouh! Bonne nuit, fées des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents. Ces spaghettis sont délicieux. Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, on a vu une forme géante dans le ciel. Était-ce un oiseau? On aurait dit un dragon. Un dragon? Il venait par ici. Le voilà! C'est un crache-feu vert. Mais comment le vaincre? Ce sera très difficile. Les dragons sont toujours furieux et très affamés. Que mangent-ils?
les nounours et Spaghetti. Oh non! Allons cacher Monsieur Nounours dans le donjon. Il y sera en sécurité. Voyez, il est ici de nouveau. Il prépare son attaque. Vite, chacun prend une épée et un bouclier. Ok. Tout le monde est-il prêt? Prêt! À la charge! Fais pas peur. Va-t'en. Trouve tes propres spaghettis. Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon. Caillou, regarde pauvre Gilbert. Il a l'air vraiment effrayé. Il ne comprend pas que vous jouez un jeu. Mais c'est le dragon, maman. Il veut manger Nounours et nos spaghettis. J'ai une idée. Demande donc à Rexy s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon. C'est une bonne idée, maman. Là, Rexy ressemble bien plus à un dragon. Oh non! Ce dragon est encore plus gros! Soyez prudent, Monsieur Nounours. Il veut te manger. Brave chevalier, méritez une gâterie. Merci, maman. Un autre dragon. C'est Gilbert et c'est un chat très gentil. N'est-ce pas, Gilbert? Et voyez, il aime manger la glace. Pas les nounours. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. Quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ces boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château... C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour.
Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château! Bonjour, reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula, on est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes! Allons nous asseoir sur notre trône! Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé! Hey, ne reste pas là! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône! Moi, reine! Moi, reine! Oh! C'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine! Clémentine est la reine! C'est pour Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ses boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine. C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Hourra! Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis.